envie que les gens se souviennent de mes 20 ans. Et j'ai moi aussi envie de m'en souvenir de mes 20 ans et plus tard pouvoir dire aux gens que je connais, ou à mes enfants par exemple, et ben vous savez, pour mes 20 ans, j'ai fait un truc, c'était... Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller voir genre à la foire fou ou des conneries comme ça, si on peut pas trouver, je sais pas moi, des cotillons, des trucs... Tu vois, voilà quoi. Bon les gars, aujourd'hui, on tombe très bien, il fait bon. C'est agréable, c'est bleu là, comme ça. Alors, la suite de l'histoire de la manette d'Xbox, l'ancienne est toujours là. Elle doit partir pour quelqu'un, je pense. Et cette énergumène s'en est racheté une en USB cette fois-ci. Mais cette fois-ci, c'est pas la connectique qui est en cause, c'est la manette. Elle fonctionne pas. Voilà, donc à la base, il avait prévu de la brancher là-dessus. Il a fait des recherches, il a vu qu'il fallait installer un driver, etc. pour que ça fonctionne. Et bizarrement, rien ne fonctionne. Voilà, il se fait tout le temps avoir. Tout le temps, il se fait tout le temps pigeonner ce coin. Bien sûr, je compte sur vous pour Seven, pour partager ça sur Facebook, pour donner votre avis aussi, c'est ce que j'attends, c'est l'objectif aussi, c'est que vous me donniez votre avis, est-ce que ça vous branche, est-ce que ça, voilà, est-ce que ça vous plaît, pour savoir pour moi-même si un jour je pourrais refaire ça, mais plus longtemps. À mon avis, d'ici la fin de l'année 2018, je pourrais entamer une série de vlogs tous les jours. Mais rien n'est encore sûr. Là, il me faut vos avis, etc., etc. Mais ça fait un peu bah, tout fragile de demander des avis comme ça, mais faites sans ça, moi je peux pas. Enfin, je suis pas dans votre tête, hein. Je sais pas ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'est tout le temps la même chose, et je pense que grâce à YouTube, on peut interagir avec son audience comme ça. Et après, si vous avez aucune réponse, enfin, c'est un peu débile, quoi. Donc voilà, j'attends vos réactions sur Seven. Moi, je suis satisfait de faire ça. Putain, attends, les gars, il faut que je... Juste, en fait... J'avais acheté ça à l'époque en me disant que j'allais monter ça dans une voiture un jour. J'ai un putain d'autoradio ici, avec la façade là-dedans. J'ai un putain d'autoradio. C'est un putain d'autoradio, les gars. Ça, c'est la façade. Tu veux la mettre là-dessus. C'est un putain d'autoradio. J'ai peut-être prévu de monter ça dans une future voiture, mais... J'en ai déjà un d'autoradio dans ma voiture. Moi. Non, puis en plus, elles sont pleines de poussière, là, donc... Non, je retire ça tout de suite. Acheter des disques durs SSD, c'est rapide. Mais tu dis que ça vaut pas cher des manettes neuves. Bien alors, nous sommes partis voir, comme je vous le disais, à la foire fouille ou à Jiffy ou des trucs comme ça. Et en passant, cette personne va rapporter sa manette en gueulant, en disant que... Oui, parce qu'en fait, tu vois, vu que c'est pas une manette Xbox originale... Ouais, j'ai un peu expliqué le truc. Que c'est une manette... En gros, c'est une copie, c'est un peu péjoratif, mais... Eh ben, je peux pas brancher sur Mac, sur PC, ça va pas fonctionner, en fait. Voilà, donc du coup, je la ramène, pas parce qu'elle fonctionne pas, mais parce que bah, je me suis littéralement trompé. Enfin, je pouvais pas savoir, hein, à la base. Donc, je la ramène, et je vais surtout en acheter une vraie. Cette fois, c'est une vraie manette d'Xbox 360. Je sais pas où je vais l'avoir, mais je vais l'avoir. Y a pas de problème. C'est parti! Pourquoi j'ai... Ne dites rien! C'est sorti de votre esprit, ce machin-là. Cette drôle de manière que j'ai dit, c'est parti. C'est... Ça n'est plus dans votre esprit. De toute façon, c'est Men in Black. Hop, vous avez tout oublié. Alors, pour t'expliquer, barrière fermée, barrière fermée, barrière fermée. De l'autre côté, toutes les barrières sont fermées aussi. On vient de se faire pigeonner parce qu'on est le 1er mai. Donc là, on vient de faire toute la route pour rien.
parce que tout est fermé. Enfin bon, ouais, je veux bien, c'est la fête du travail, tout ça. Mais expliquez-moi, il y a quelques jours fériés où les magasins sont quand même ouverts. Et là, là c'est, tout est fermé, on se fait pigeonner. Bon, dis-moi pas qu'on est venu pour rien. Auchan est ouvert ou pas là? Bah, à mon avis que non. Ouais, bah, on va aller voir ça. Parier. Et moi, si on fait ça, vas-y. Moi, si je suis président de la République, si vous pouvez choisir de travailler le 1er mai. Mais si vous travaillez le 1er mai, vous êtes payé triple. Les mecs, c'est bon quoi? Au lieu d'être payé 9 euros de l'heure, t'es payé 27 euros de l'heure. C'est bien ça? 27 euros de l'heure, putain, ouais. Le fric. 27 euros de l'heure. Ok, d'accord, d'accord. Non mais d'accord, j'ai compris. Hein. Parking vide, magasin fermé, bon bah d'accord, j'ai compris quoi. On n'a qu'à se faire chier toute la journée quoi. On rentre, parce que... Non. Je vais jouer à Fortnite. Ouais. Bon, et au passage, parce que je lui prends, je lui vole sa caméra de temps en temps. Voilà. Si vous voulez jouer avec moi sur Fortnite, y a pas de problème. Seb Deo. Comme ça que ça s'écrit. Seb Deo. Deo de France, hein, sous-entendu. Donc Seb Deo. Voilà, je suis sur Fortnite. Je joue pas tout le temps, mais je joue souvent. Donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Regardez, je vais vous prouver que c'est pas dangereux de prendre les dodans à 50. Je suis à 50. Attention. On ne l'a pas senti. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il y en a un autre, là. Ah, il est moins... Ouais. On sent moins. Il est moins rapide. Une histoire de conduite en voiture que je vais vous raconter maintenant. Finalement, c'est assez court. Hein. En fait, c'est juste la peur de ma vie. Et c'était une route que je connaissais pas. Et en fait, bah, on était à quoi? À 80 peut-être, parce que c'était limité à 90. Donc bon, on a dit, on va pas non plus rouler à 90. Il y avait un peu de virage, tout ça. Et puis à un moment, ça monte. Il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'à maintenant. Et ensuite, on arrive tout en haut de la côte. Et juste après le haut de la côte, ça redescend un peu. Et vous aviez, en fait, pour vous, comme ça, en face, vous aviez la route qui arrivait comme ça, puis... Hop, elle tournait comme ça et un stop. Là, en angle à 90 degrés, tout de suite comme ça. Et il y avait une autre route qui passait en parallèle. Et bien, à cet endroit-là, vu que je connaissais pas la route et que je devais pas être concentré sur ma conduite, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé à cet endroit-là, 80 km/h, sans m'arrêter. Alors qu'il y avait un stop, hein, je vous rappelle. J'ai été tout droit. Enfin, j'ai juste eu le temps de faire un petit écart comme ça sur la droite, histoire de... Mais j'ai pas du tout respecté le stop qui était à 90 degrés. J'ai été tout droit, je suis passé hop comme une fusée. Ma vie aurait pu s'arrêter là. Littéralement, j'aurais pu mourir, mais par une chance, mais maintenant j'y ai repensé cette nuit, c'est très simple. Par une chance, mais je sais pas par quelle chance, mais c'est juste c'est ouf. Il y avait personne. Il y avait personne sur la route. Il y avait que dalle. Donc je suis passé, j'ai été tout droit, je me suis remis sur mon axe et tout, j'ai même ralenti parce que sur le coup, mais il y avait zéro personne, zéro voiture à ce moment-là. J'ai eu une chance, mais... Là, c'est pas de la chance, c'est... Je sais pas, c'est Dieu, il était avec moi directement, il m'a écouté, il a fait lui, il va pas freiner. Le dernier télégramme français a été envoyé, d'après les informations que j'ai vues, hier soir, et le service a été arrêté, hier soir, à 23h59. Les télégrammes, là, les trucs genre, on voit ça des fois dans des vieux films, t'as un, je sais pas comment on appelle ça, une espèce d'agrafeuse bizarre, mais c'est pas une agrafeuse, t'as un truc à appuyer dessus, ça envoie des signaux électriques. Au destinataire, et ces signaux électriques, ça correspond selon leur durée, ça correspond à des lettres, à des ponctuations, etc. pour former un texte. Et le dernier télégramme, qui a dû être envoyé soit à une société de transport, soit à des professionnels vraiment qui s'en servaient encore, eh bien il a été envoyé hier soir, et le service a ensuite été arrêté. C'est fou, hein ? Les télégrammes ont commencé dans les années 1800, le service des télégrammes a été stoppé... C'était bon ce midi. Le service des télégrammes, il a été stoppé aux États-Unis en 2005 ou 2006. Je vais vous retrouver l'exactitude des informations un petit peu. Orange a émis le dernier télégramme de l'histoire en France. Une page des télécoms se tourne, tu vois. Donc voilà le dernier télégramme en question. Voilà, en bleu, là. Là, le dernier télégramme a été émis ce soir, 23h59, stop. Crin 1869, le service était géré par Orange sur le site de... Paris, Saint-Michel, stop, etc., etc. Je vous laisse aller voir si vous voulez le revoir en entier, le machin.
c'est sur le Twitter de Sébastien Crozier. Voilà, vous cherchez cette personnalité. Ouais, c'est toi. Non. Donc vous allez sur le Twitter de Sébastien Crozier, qui n'est autre que le... que je dise pas de conneries. Voilà. C'est le président de la CFE-CGC d'Orange. Là, c'est au fil du truc, on y apprend que... Voilà, c'était fermé en 2006 aux États-Unis. Et en France, on a encore joué les prolongations, donc. Et il faut savoir qu'en 2005, il y avait donc pas moins de 900 000 envois qui était encore recensé par an sur le territoire français. Bon, bien sûr, tout ça, ça a chuté avec l'avènement du téléphone portable, des mails, des SMS, d'Internet, tout ça, là, terminé. Et donc là, bah, cette fois-ci, c'est terminé, vraiment fini, définitif. On ne peut plus envoyer de télégrammes en France, le service a été arrêté. Donc maintenant, si vous recevez encore des télégrammes, c'est un truc pirate, entre guillemets, tu vois. Putain, mais elle est longue à charger, cette batterie-là. La vache, en cœur, va falloir faire quelque chose hein, pour vos prochaines batteries là, parce que. Mais de toute façon, tout est long. Genre, je sais pas ce qu'il y a, mais tout est long. Ah. Internet est long, il y a tout qui est en train de. Le téléchargement ici qui est hyper long. Je me bouffe de la batterie pour rien, je peux même pas m'en servir. Voilà, c'est tout. Seven revient demain. Peace. Over. Comme dirait Amixem, mais il faut pas que je le fasse parce que sinon on va crier au plagiat donc.